to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Je connais le groupe grec Mother of Mayans depuis l'album Sigma en 2017. Et si vous vous souvenez bien, leur précédent EP Orbit, sorti il y a 2 ans, m'avait fait forte impression. Ils reviennent ce mois-ci avec Mania Mater, un album 9 titres d'un peu moins de 45 minutes, un format que j'adore. Clairement, ce n'est pas la pochette de cette reine brune déguisée en rideau pastel qui m'a vendu l'album. Parce qu'elle est vraiment très moche, cette pochette. Je ne comprends pas que l'on puisse encore commettre des photos aussi mauvaises de nos jours. Il y a peut-être un message caché dans l'image. Dans ce cas, je ne l'ai clairement pas compris. Désolé, je ne vois pas Cybèle, la mère des dieux, dans ce déguisement ridicule. Par contre, la musique et des plus réussis. Ici, le djent côtoie le symphonique, l'électro, le cinématique et plusieurs voix, dont une féminine, se rencontrent sur les morceaux. Le groupe considère à raison qu'il s'agit de son album le plus intense, mais aussi le plus péchu de leur carrière. C'est vrai que l'on s'éloigne du post-rock pour aborder des rivages post-metal progressif plus intenses. Mania Mater donne le ton dès les premiers titres, Inside, Feral et Mania Mater, qui lancent des charges lourdes, mais n'oublie pas également de faire vibrer notre corde sensible avec du chant débordant d'émotions et des passages épurés au piano comme dans Space. Mania Mater ose même le growl, chose pour le moins inhabituelle chez Mother of Millions. You say... La musique de ce nouvel album n'est pas sans rappeler les Proust comme dans Liminal, même si la performance vocale n'est pas forcément du même niveau. D'ailleurs, en parlant de chant, il y a celui de Celestial qui me chagrine un petit peu. Il semblerait que le lead ne soit pas tout à fait au diapason de la 30e seconde à la fin de la première minute. Irae, qui est au passage le titre le plus long de l'album avec un peu plus de 6 minutes, donne dans le post-metal cinématique symphonique grandiose. Après 4 minutes vocales lentes et solennelles portées par quelques claviers, guitares et percussions, le morceau gagne en puissance pour culminer dans les dernières secondes. Et Space, qui conclut l'album, est quasiment son négatif, une partition piano et guitare toute simple agrémentée d'une petite ritournelle pour enfants en guise de refrain. Un titre qui contraste beaucoup avec le reste de l'album, nettement plus péchu et qui permet de sortir en douceur de la musique. Si Mania Mater n'est pas follement original, il se rapproche trop de Les Proust ou de Earthside pour cela, c'est un magnifique album qui prouve la fabuleuse progression musicale du groupe depuis leur début. Il s'agit de leur plus bel album à ce jour, mais le groupe a peut-être perdu un peu de son identité originelle au passage en devenant plus mainstream. Ne passez pas cependant à côté, d'autant que vous pouvez le découvrir sur Bandcamp par exemple. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour une nouvelle découverte. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et si vous voulez découvrir les autres, abonnez-vous. Bisous !